Et oui, ce que vous voyez à l'écran, c'est Minecraft, bien évidemment, mais Minecraft d'un autre temps. Et si vous vous dites comment ça, d'un autre temps, moi je me rappelle très bien de tout ça, le update du end et tout, c'est quand j'étais, quand j'ai arrêté de jouer, quoi. Et bah, vous êtes dans une situation comme beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont littéralement arrêté de jouer il y a genre 10 ans. 10 ans pile, souvent, parce que c'était le rachat de Microsoft, en gros. C'était le rachat. Ça a été un peu un tournant. C'est exactement ça, c'est le rachat, et puis aussi c'est la fin du lycée, donc on arrête les conneries pour ma génération. Notre génération en tout cas. Exactement, et si vous êtes de la même génération, vous avez sûrement potentiellement arrêté de jouer à Minecraft à ce moment-là. Et donc on s'est dit déjà qu'on allait vous parler un petit peu de tout ce qui a été rajouté, mais toi surtout, tu as relancé un serveur en fait. En gros, avec des amis, de manière assez classique, on a décidé de relancer un petit serveur en multi en 1.20. Okay. Là actuellement on est en 1.21 sur le jeu, mais donc notre serveur est en 1.20, et en fait ça m'a choqué d'à quel point le jeu n'est plus le même. Oui, ça c'est. Le jeu a vraiment beaucoup beaucoup changé en l'espace de 10 ans, ce qui est évidemment assez normal, mais comparé à peut-être d'autres progressions de jeux multi, etc. Bon, c'est beaucoup moins sandbox, hein. Minecraft c'est le sandbox par excellence. J'avais remarqué que effectivement il y avait des trucs qui n'étaient plus du tout pareils, ouais, de quand j'avais arrêté de jouer. Donc à peu près en 2014. Moi, la dernière mise à jour que j'ai connue, c'était celle à peu près au même moment que le rachat de Mojang par Microsoft, c'est-à-dire la mise à jour des, enfin, semi-aquatiques où on avait des temples de l'eau. Ok, oui, on avait des temples de l'eau avec les gardiens là, qui nous attaquaient, les espèces de gros yeux. Qui est sûrement un des pires trucs de l'histoire à naviguer, c'est vraiment une horreur. Mais donc, par exemple, c'était la 1.8. Si je vous dis Shulkerbox et Elytre et vous savez pas ce que c'est, vous avez du rattrapage à faire. Hein. Vraiment, là, je vous jure qu'on a plein de choses à vous montrer. Après, rassurez-vous, le jeu n'a pas non plus changé du tout au tout. Ah oui, non, mais il y a toujours des blocs. Hein. C'est ça. C'est toujours carré, il n'y a pas de. Il y a toujours des blocs, ça se pose toujours de la même manière, le gameplay c'est toujours le même. Mais vous avez par exemple, littéralement, comment ça s'appelle, pas un jetpack, un glider quoi, avec les élytres et ce genre de trucs, les élytres. Mais on va un petit peu avancer dans l'histoire de Minecraft, puisque ensuite il y a eu soit c'est l'exploration update, celui-là c'est celui je sais plus le nom exactement, mais c'est celui qui a rajouté les biomes savanes, celle qui a rajouté exactement beaucoup de biomes. Ça c'est l'ancien, attendez, on va revenir un tout petit peu parce que c'est intéressant en vrai. Ouais, vraiment. Donc c'est la 1.1, donc l'exploration 1.11, pardon. Je vais y arriver. C'est donc les anciens villages. Ça, c'est les villages que vous avez toujours connus. Oui. Ça ne ressemble plus à ça. Oui, ça ne ressemble, ça plus, ne ressemble plus du tout à plus ça. Plus du ça tout à ça. Plus tard, vers la 1.15, je crois. C'est avec Pillage and Village. On le montrera juste après. Mais bon. Là, c'était vraiment, on rajoute des nouveaux biomes, on rajoute les lamas. Il y a de la glace, il y a du désert, il y a de la jungle, la vraie jungle, etc. À l'époque, c'était les manoirs. Exceptionnels, les manoirs. Mais qui étaient encore un peu vides. Oui, mais ça permettait quand même de récupérer des totems pour réapparaître. C'est ça. Mais donc, plus tard, on a eu de nouveaux mobs, des espèces de méchants villageois, effectivement. Exactement. Un peu comme ça. C'est là à peu près où on a eu le Wither, je crois. C'était peut-être même un peu avant. C'était peut-être un peu avant parce que possible. Je jouais encore quand il y avait le Wither. Ouais. Et donc il y a eu beaucoup 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 de mises à jour. Je te propose d'avancer un peu dans le temps parce que on va avancer pas dans le temps parce que là en vrai ouais des mises à jour. C'est-à-dire qu'il y a eu l'end, il y a eu ça, mais une des grosses mises à jour qui a sûrement pété vos sauvegardes si vous avez gardé et que genre vous aviez une sauvegarde très expansive, ouais. Parce que en fait les océans ont totalement changé avec l'update aquatique. Ça a rajouté de la faune et de la flore de zinzin. Les dauphins, trop bien. Les dauphins, si tu deviens pote avec eux. Les tortues. Mais les dauphins, si tu deviens pote avec eux, ils te donnent un buff et tu nages hyper vite et tu peux mettre une laisse dessus et te faire tirer par les dauphins. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Et donc, c'est un très mauvais animal, enfin. Oui, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est vraiment pas gentil, les dauphins. Et donc, au-delà de l'esthétique, on va dire, parce que oui, il y a du corail, hein. Etc., il y a beaucoup d'algues maintenant. Les courants ascendants, les courants descendants. Et surtout, ça a modifié la manière dont on nage. Complètement. On nage maintenant à l'horizontale, hein, de manière assez logique. On remonte aussi beaucoup plus vite dans l'eau et on plonge beaucoup plus rapidement. Mm-hmm. Là où pour avancer en ligne droite, c'est un peu plus compliqué. Et les tridents, quel banger, les tridents. Les tridents, voilà, qui se lançaient, etc. Tu peux invoquer la foudre avec. Hein. Mais donc ça a changé quand même pas mal de choses, ne serait-ce qu'en termes de biome. Il y a eu beaucoup d'ajouts de blocs et de trésors évidemment, mais aussi donc de faune. Oui, complètement. Il y a eu beaucoup plus de choses. Ça a permis beaucoup plus facilement du vrai poisson, c'est-à-dire qu'on les voit, on ne les pêche pas juste comme avant. Exactement. On peut les taper, les ramasser directement. On peut toujours les pêcher de manière classique. Hein. C'est ça.
Mais voilà. Bon, ça c'est du mytho, ça c'est oui, trop ça, chiant c'est juste à pour faire. Dire qu'on peut faire des bases sous-marines. Mais on pouvait déjà les faire avant, mais c'était déjà c'était hyper saoulant de base. Mais l'update aquatique a vraiment changé pas mal de choses. Mais et c'était surtout du visuel en termes de gameplay et de mécanique entre guillemets. Celui qui a changé aussi pas mal de trucs, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est Village and Pillage, qui a complètement refondu les villages. Ouais. Et aussi qui a rendu un truc qui moi j'aime bien, mais des fois c'est buggé, c'est les raids. Oui, c'est ça. Alors les raids de village, qui les raids, ont... j'en ai pas vécu encore. Ah ouais. Dans ma sauvegarde, enfin dans ton serveur, ouais. En gros, les raids, bon, ça fonctionne de manière très simple. Hein. C'est vous êtes dans un village et le village va se faire attaquer par plein de mobs, les mêmes mobs qu'on retrouvait dans les manoirs. Et ça. Donc ces mobs peuvent aussi vous drop des totems d'immortalité, du moins, je sais plus comment on appelle ça, les totems de respawn. Ouais. Pendant que vous faites attaquer. Le problème, c'est que le raid n'est fini que quand vous avez tué tout le monde, et souvent il en manque un qui est un tout seul et qui au bout d'un moment finit par despawn, mais sauf que ça considère que le raid n'est pas validé, et donc ça va vous renvoyer un raid très peu de temps après. Bon, c'était une je sais pas si ça a été amélioré depuis, c'était une mécanique un peu vénère. Mais par contre, il y a beaucoup d'ajouts aussi avec cette mise à jour au-delà du combat. C'est que il y a eu beaucoup de blocs de maisons. Oui, c'est-à-dire vraiment. Que c'est l'appareil, on a toujours connu la table de craft et le four. Ouais. Et ben là, on a eu deux fours différents. Le smelter, tout le bas. Le smoker, en tout cas, en anglais. Le smoker, le fouloir, donc en français. Qui est pour la bouffe. La bouffe, c'est ouais. Ça. Et le gros four, on va dire, pour ce qui est lingot, etc. Ce qui ouais. Fait que bah, maintenant, on a des blocs qui sont faits pour, on va ouais. Dire, une certaine matière. Et qui donc permet de fondre plus vite bah, plein de trucs, ouais. Ou, etc. Enfin, pas et. Un des updates qui a vraiment pareil changé drastiquement, un élément qui était resté stagnant depuis quasiment le début du jeu. Hein. Il y avait eu les forteresses qui avaient été rajoutées. Ça date de la bêta en plus, je crois, le Nether. Bah, ça date depuis quasiment toujours dans le jeu. Dans la 1.1, elle y était. Là où l'End l'était. L'End est arrivé beaucoup plus tard. Mais par exemple, ils avaient rajouté les forteresses, mais là vraiment, il y a eu. Différents biomes au sein même du Nether avec des espèces de forêts. Il y en avait des bleus, des rouges. Et évidemment, ça a rajouté un nouvel élément qui donne littéralement les meilleures armures du jeu. Que je sais plus comment ça s'appelle. L'élément en question là, ça me dit rien. C'est la Netherite, je crois. C'est tout à fait ça. Et en fait, ça donne l'armure la plus forte du jeu, tout simplement. Mais surtout, il y a donc plein de nouveaux mobs, les sangliers qui vous attaquent quoi qu'il arrive. Il y a les pigmen qu'on connaissait déjà. Mais il y a aussi les habitants du Nether qui ressemblent à des pigmen mais qui n'en sont pas. Mm. Et qui, eux, en gros, vont vous attaquer si vous n'avez pas d'or. Il faut descendre en fait dans le Nether avec des armures en or pour être tranquille. Et justement, tu peux aussi leur donner des lingots d'or pour qu'ils te droppent des trucs un peu aléatoirement. Ouais. Et ça peut très bien être des trucs de diamants, limite. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, des trucs assez rares. Ou alors, tout simplement, un bloc de dirt, quoi. Mm. Mais oui, et le Nether Update a vraiment complètement changé la façon dont on navigue le Nether, qui était devenu un petit peu redondante. C'était presque trop facile. Oui, c'était presque devenu trop facile. Et par contre, ça, c'était vraiment une mise à jour que beaucoup de gens attendaient. Pour moi, c'est une mise à jour très importante. Ouais, vraiment, vraiment. C'est la Cliff and... Caves and Cliff. Caves and Cliff, donc c'est les sommets et les profondeurs. Et les c'est cadres. Ça, ouais. Qui en fait a revu toute la topographie, on va dire, de la manière dont Minecraft génère les mondes. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait des mondes qui étaient très. D'un bloc à l'autre, limite, on passe d'un autre biome. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. D'un bloc désert ou presque. Ils avaient quand même réussi à smooth un peu avec les années. Bien sûr. Mais là, ce qu'ils ont vraiment changé, c'est la façon dont les montagnes sont générées. Donc on a des montagnes beaucoup plus complexes qu'avant. Beaucoup plus réalistes. Oui, aussi, ouais. Et surtout, les grottes. Alors, je sais pas si ça a été d'abord les montagnes et les grottes. En fait, je crois qu'il y a eu un truc où, comme ça a été fait en deux parties, je crois qu'ils ont d'abord focus les montagnes et ensuite oui, les grottes. Ça doit être ça, parce que justement, là, la partie 2, en tout cas, le trailer de la partie 2 se concentre beaucoup plus sur justement les grottes. Et les grottes sont devenues, au lieu d'être des espèces de boudins, de couloirs. Ouais, c'est ça, de couloirs. Assez répétitif. C'est bien plus ouvert. C'est des beaucoup plus grandes surfaces en fait. Il y a des énormes grottes. Ils ont mis des stalactites et des trucs comme ça. C'est ça, il y a des stalactites. Il y avait aussi l'arrivée d'enfin un nouveau minerai qui est donc le cuivre, qui sert beaucoup moins que les autres, on va dire, parce qu'il est beaucoup moins rare. On le trouve beaucoup plus facilement, mais qui permet de faire ne serait-ce que de nouveaux blocs. Ça a été en plus beaucoup plus travaillé dans la dernière mise à jour à ce jour. Qui permet de faire des blocs de cuivre qui en fait changent de couleur avec le temps. Okay. En fait, ils s'oxydent.
et donc ils deviennent de plus en plus rouges alors qu'à la base c'est un peu plus vert, etc. D'accord, donc c'est très intéressant d'avoir un bloc qui change avec le temps. Oui, parce qu'on parle beaucoup des effets de gameplay, mais ça rajoute toujours énormément de trucs pour la création et pour de la créativité. Oui, bien quoi. Sûr. Parce Minecraft reste un jeu de construction, entre gros guillemets, qui vous permet de faire maintenant des centaines de choses, et je crois que c'est un peu le principe de la prochaine mise à jour après Kevin Cliff, qui est en gros une mise à jour de déco. Ok. Qui apporte beaucoup de déco, de l'art, etc. On a des pinceaux, donc on peut faire soi-même ses tableaux. Il y a de la poterie, il y a beaucoup des petits pots, etc. qui permettent en fait de décorer plus l'intérieur que la manière, que l'architecture en fait du monde qu'on a toujours fait quoi. Ouais, c'est. Et on a là, vraiment beaucoup triché en fait avec Minecraft pour faire des choses. Oui, c'est ça. Et maintenant, on a de plus en plus de trucs qui sont littéralement vraiment dans le jeu. Même si on triche toujours parce que bah on peut pas faire une douche ou des robinets ou des trucs comme ça, donc on a toujours les mêmes strates. Et bientôt. Bientôt. Peut-être qu'on aura la mise à jour plomberie. La plomberie quoi. Et c'est vrai qu'aussi sûrement un des trucs qu'on n'a pas trop parlé parce que c'est un peu un truc de spécialiste quoi. C'est tout ce qui est redstone et tout. Parce que et c'est assez clair que je pense que la redstone est énormément améliorée dans toutes les mises à jour, mais oui. C'est rarement mis en avant parce que c'est vraiment une grosse mise à jour de la redstone à un moment, mais c'était un peu avant. Il y a toujours des nouveaux blocs qui apparaissent. Je crois que bah, dans cette mise à jour là justement, qui est donc la dernière, hein, ça c'est comment elle s'appelle, je me rappelle plus, excuse-moi. C'est Tricky Trials. Qui rajoute en fait un bloc qui permet d'auto-crafter. Okay. C'est une table de craft qui peut être utilisée via la redstone pour automatiser la création d'objets, vous mettez les patterns, etc. Et donc surtout la vraie mise à jour là, enfin la nouveauté de cette mise à jour là, c'est donc les chambres de test, les trials, j'ai pas la traduction. Bah, les tricky trials, on va les appeler. C'est ça. Hein. Et donc qui vous permettent en fait d'avoir un truc en PVE qui est assez intéressant, qui littéralement fait donc C'est un peu des donjons Zelda. Ouais. C'est un peu des donjons de Zelda, du moins des derniers. Tu dois vraiment te battre, etc. Donc il y a des pièges un peu partout, il faut aller au bout des salles, il y a des récompenses évidemment. Et il y a un tout nouveau mob qui s'appelle le Breeze, qui en fait utilise le vent pour vous projeter, etc. Pour faire des attaques de vent. Donc on a un espèce de nouveau semi-boss qui est assez intéressant. Donc ça, pour le coup, j'ai pas pu l'expériencer parce que c'est pas dans ma mise à jour dans ton serveur, il faudrait mettre à jour. On peut en fait les trouver à l'air libre dans les biomes ou dans les caves, etc. Mm-hmm. Il me semble qu'il y en a à l'air libre dans les jungles. Et en fait, sinon, tout simplement, en fait, tu peux les acheter au cartographe des villages. Ah oui, tu peux acheter une carte. Tu peux acheter une map qui te dit où est le. Où est-ce qu'il y en a ? Ah oui, les espèces de tornades. Et oui, aussi, il y a pas mal de trucs, comme on l'a dit. De déco qui ont été rajoutés dans la mise à jour juste avant, on a eu tout ce qui était bloc de cerisier. Oui, il y a eu un nouvel arbre. C'est vraiment Sakura, c'est vrai qu'on se faisait réfléchir. Parce qu'il y a eu on a eu pas mal de bois qui ont été rajoutés. On a eu l'acacia, on a eu le pin, on a eu tout ça. Et ça faisait un moment qu'il n'y a eu pas eu de bois, donc ils ont décidé de faire un bois rose avec le cerisier, alors que le cerisier n'est pas rose. Je me rappelle très bien que c'était un mode à la base. Moi, je jouais beaucoup en modé à l'époque, beaucoup moins maintenant parce qu'on a de moins en moins le besoin. Même si les modes existent toujours. Oui, il y a toujours des modes qui sont pratiques. Communauté de toute façon de créateurs sur Minecraft. Mais en tout cas, oui, il y a énormément de nouveautés. Ça prend évidemment du temps parce que là, c'est sur 10 ans. Donc, vous avez l'impression qu'il y a énormément de choses qui a changé si, comme moi, vous vous reconnectez 10 ans plus tard. Ouais, moi, la question que j'ai par rapport à justement cette reconnexion 10 ans plus tard, est-ce que c'est pas beaucoup ? Est-ce que c'est pas difficile de tout reprendre en main ? Si, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que le jeu te prend un peu plus par la main. Ok. Parce qu'il y a tout cet aspect, par exemple, quand tu craftes, tu as ton livre de craft en fait. À chaque nouvel bloc ou nouvel élément que tu obtiens, il te dit ah tiens, avec ça, tu peux faire ça. Oui, c'est vrai que le livre de craft qui a été quand même rajouté, ça fait un moment, ça doit faire un moment, je sais pas exactement dans quelle mise à jour. Je crois qu'en 1.12, 1.13, il était déjà... On n'en a pas parlé, mais il y a eu la mise à jour du combat. Oui, bien sûr. Qui a été très importante, parce que pendant des années, le combat se résumait à clic-clic le plus vite, tape le plus vite. Le PVP sur Minecraft, ça a toujours été un grand truc sur les serveurs multi, etc. Les Hunger Games, les Ah oui, ouais, ça, moi j'en ai fait les Hunger Games. Bien avant Fortnite, hein, nous on était là. Hein. Il y a eu des King of the Hill, comme on l'appelait à l'époque, qui étaient littéralement des modes à la Fortnite, Battle Royale, avant que ça existe. Mais donc maintenant, il y a un peu plus de stratégie, on va dire. Il y a eu l'ajout notamment de boucliers. Ouais. Mais surtout, en fait, le spammer ne sert plus à rien. Pour il faut taper un bon moment. Taper en rythme, entre guillemets. Il y a toujours l'idée de si tu tapes en hauteur, t'as le coup. Le coup critique, etc. Mais il y a plein de trucs qui ont été rajoutés à ce niveau-là. Et moi, je sais que j'ai arrêté de jouer à peu près à la 1.14, 1.15.
2015, je dirais. J'ai suivi Caves and Cliffs, mais j'y ai pas joué, mais c'est vraiment un truc qui m'intéressait beaucoup et j'avais beaucoup regardé de vidéos dessus. Mais c'est vrai que la version sur laquelle j'ai le plus joué, moi, c'était la 1.12, parce que elle était, c'était sur un serveur où c'était bloqué en 1.12. Le serveur était tellement gros que passer en 1.13 aurait détruit le serveur. Avec la mise à jour à côté. C'est ça. Je sais pas trop où ils en sont maintenant parce que c'est un serveur qui est toujours en ligne, hein, mais on en parlera peut-être un jour. C'est un serveur légendaire. c'est le biggest. Non, c'est quoi il dit? The oldest anarchy server in Minecraft. Si vous connaissez ce bon fit MC. En tout cas, je vous invite à relancer le jeu, ne serait-ce que pour prendre la température, pour voir un peu comment ça a évolué. Il y a ce genre de jeu, on en parle en ce moment, notamment avec No Man's Sky. Ouais, No Man's Sky, il y a okay. Des jeux qui continuent d'évoluer au fur et à mesure. On a beaucoup encensé Cyberpunk, notamment pour les mises à jour qu'il y a eu, etc. Mais des jeux aussi classiques que Minecraft, finalement, évoluent tout autant tous les ans, etc. Il y a des mises à jour plus mineures, il y a une mise à jour des abeilles, notamment. Oui, qui était vraiment très légère. Qui est très mineure comparée à la mise à jour aquatique, par exemple. Mm. Mais en tout cas, il y a toujours des choses qui sont amenées. Et vraiment relancer votre compte parce que si vous l'avez fait, alors c'est peut-être possible que vous ayez perdu votre compte avec l'immigration Mojang et tout parce qu'il fallait le transformer en compte Microsoft, ça a été tout un bordel. En tout cas, maintenant il y a un launcher directement que vous jouiez un peu n'importe où d'ailleurs parce qu'il y a différentes versions. Pour le moment, la version Java survit, on sait pas combien de temps. Moi j'ai très peur que la version Java se fasse détruire un jour, mais. Pour l'instant, c'est pas le cas. On verra. Bien. C'est pas le cas. Parce que la version Java, tu peux faire plein de trucs sans payer, là où la version Bedrock, c'est. Les caps, il faut payer. Les skins, il faut payer. Oui, c'est ça. Donc bon, on verra combien de temps ça tient. En tout cas, ça nous a fait un peu quelque chose de remonter le temps de Minecraft et ça nous a rappelé pas mal de souvenirs. Et dire jeu maintenant, c'est vraiment un plaisir parce que c'est un jeu qui est infini. On y joue pendant 3-4 mois comme des oufs et après on arrête et on y rejouera 3 ans plus tard et ça sera toujours. Un kiff, ouais, ça sera toujours un kiff. Dites-nous vous, en tout cas, si vous jouez activement à Minecraft ou si vous avez envie de le relancer avec toutes les nouvelles mises à jour qui arrivent. Et en tout cas, on va vous proposer plein de contenu comme ça tout l'été, des trucs un peu plus chill avant le retour des grosses annonces et des gros jeux que vers fin août où va commencer à y avoir des trucs assez vénères. En tout cas, nous, on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut.